Je m'installe dans ma position de confort préférée. En position assise. Mes yeux se ferment tranquillement pour me permettre de porter un regard vers l'intérieur, agréablement, je perçois chacun des points de contact avec le support que j'ai choisi. Tout mon corps confortablement installé. J'inspire et j'expire profondément, je relâche toutes les pensées, les tensions, les émotions. Je prends le temps de me connecter à moi-même. J'inspire et j'expire tranquillement. Et aujourd'hui, je fais le choix de diminuer tout ce qui pourrait être négatif et activer le positif. J'inspire et j'expire profondément. J'accepte aujourd'hui l'idée que, avant de mettre en œuvre une action positive, il m'est nécessaire de prendre conscience des messages négatifs afin de les dissiper. Ces messages peuvent être corporels, comme des sensations d'inconfort, par exemple. Ce peut être également des pensées limitatives, ou des peurs ou des émotions. En effet, une pensée est un excellent moyen d'adaptation au monde extérieur, mais pas à notre monde intérieur. Une pensée répond surtout à un besoin d'avoir, pas au besoin d'être. Alors aujourd'hui, je fais le choix de relâcher, de me libérer de chaînes, de limites, de barrières, de charges négatives, indésirables, que j'aurais inconsciemment installées, voire faire perdurer, et qui constitue une grande partie de mes pensées, de mes sensations, de mes émotions actuelles. J'inspire et j'expire profondément. Je me recentre
Je porte toute mon attention sur ce qu'il se passe en moi et sur ce relâchement qui, peu à peu, s'installe. Je prends ce temps pour moi et même si parfois quelque chose cherche à me détourner de la voie qui me guide, des sensations de mon corps. Je reviens. Et aujourd'hui, je prends conscience que grâce à ces exercices et à la répétition, je peux dévoiler un potentiel naturel, une étonnante possibilité existentielle. En effet, je peux modifier positivement mon état émotionnel, mon état psychomental, c'est-à-dire ma façon d'être et de penser. En effet, si je peux être le jouet plus ou moins conscient de phénomènes négatifs, je peux également utiliser ma concentration comme un curseur pour déplacer ou transformer ces phénomènes. Je peux observer les sensations qui pourraient m'être inconfortables, voire négatives, reconnaître et accepter leur présence. Pour, au rythme des répétitions de cet exercice, les réduire, voire les éliminer. Ainsi, je désactiverai tout ce qui fait obstacle à mon bien-être. J'observe ma respiration et la détente dans mon corps. Je prends le temps d'apprécier le relâchement de mon visage. De déposer le poids qui peut être surcharge mes épaules et mes bras. Agréablement de déposer mon dos. J'inspire et j'expire toujours profondément et peut-être que progressivement, le rythme devient plus lent et plus calme. Tout mon corps se relâche, mon bassin bien installé, mes jambes agréablement détendues dans la position assise que j'ai choisie, mes pieds bien posés en contact ou non avec le sol. J'inspire et j'expire lentement. Le calme, la lenteur, l'apaisement, la détente s'installe.
Je suis là pour moi, ici, maintenant. Rien d'autre n'a d'importance. Et même si parfois quelques pensées reviennent, je me concentre à nouveau sur la voix qui me guide, sur ma respiration qui m'apaise. Je vais maintenant prendre conscience de sensations moins agréables. Qu'il y en ait une ou plusieurs, je respire lentement et à chaque expiration, je me libère de ces sensations en imaginant qu'elles sont évacuées vers le bas, vers les pieds, vers le sol. Selon ma façon de percevoir les choses, je peux imaginer, visualiser, ressentir. Je peux laisser mon corps me guider pour découvrir ce qui me convient le mieux. Je vais créer une sensation qui symbolise ce déplacement vers le bas. Je peux donc à loisir imaginer une cascade qui coule sur mon corps et le purifie. Je peux imaginer comme une sensation de chaleur qui parcourt mon corps depuis le sommet de ma tête jusqu'au bout des orteils et au bout des orteils une fumée grisâtre qui symbolise l'évaporation du négatif. Je peux peut-être sentir dans mon corps quelques frissons ou une sensation, quelle qu'elle soit, qui parcourt le sommet de ma tête et se dirige vers le bas de mon corps et s'évacue, sort, s'évapore comme dans un brouillard. Je peux aussi m'imaginer comme sur la plage, par exemple, et qu'à chaque fois que cette vague monte sur mon corps, en repartant, elle emporte tout ce qu'il y a de négatif et dont je ne veux plus. Si rien ne vient comme image ou comme sensation, je laisse faire. Je laisse mon esprit comprendre l'exercice. Je laisse la voix me guider et je me fais confiance pour comprendre et vivre ce moment comme je le peux aujourd'hui. J'inspire et j'expire profondément. Je peux accentuer les effets de ce déplacement en expirant la bouche légèrement entrouverte.
J'inspire et j'expire profondément. Je prends le temps que je ressente quelque chose ou pas. Je laisse faire au rythme des répétitions, peu à peu, mon corps, mon esprit. Et mon cœur s'aligneront pour me permettre d'avancer sur mon chemin. Je peux peut-être ressentir déjà quelques sensations étonnantes. Peut-être le relâchement dans mes épaules d'un poids qui me pesait jusqu'alors. Peut-être un sentiment de sérénité. Peu à peu, les pensées se raréfient, le mental se libère. Je deviens de plus en plus léger ou légère. Je prends ce temps pour moi, pour faire durer ces sensations agréables et diffuser de plus en plus. Au rythme des répétitions, bientôt. Cet apprentissage me permettra de l'appliquer dans mon quotidien, quand par exemple une gêne, une tension ou une pensée négative se présentera. Je pourrai déplacer ces sensations désagréables ou ces pensées dès qu'elles apparaîtront. Il me suffit d'utiliser mon curseur intérieur, ma concentration et le relâchement. Je pourrais également réaliser cet exercice si j'ai besoin de plus de lucidité ou de retrouver un bien-être dans mon corps. En coordonnant ma respiration à cet exercice de libération, je vais en amplifier les bienfaits. La maîtrise et la confiance en moi. Lorsque mon souffle est étroitement associé à mon mental, mon intention est positive. J'inspire, j'expire profondément. Quelle que soit l'image ou la sensation que j'ai choisie, plus je répète, et plus je me concentre sur ce qu'il se passe en moi, plus je m'accorde du temps et de l'attention. J'inspire et j'expire profondément. Je fais le choix d'accentuer les effets. Quand j'inspire,
Je prends le temps de m'imaginer, de sentir tout ce qu'il peut y avoir de bon pour moi. Et à l'expire, j'évacue ce dont je n'ai plus besoin. Je relâche, je libère, je laisse partir. J'observe ce que je ressens. Est-ce que j'ai toujours autant de pensées qu'au début? Autant d'images que je juge négatives, peut-être. Est-ce que mon corps est bien détendu? À chaque expiration lente, j'évacue ces pensées, ces images vers le bas. Et peut-être, selon ma façon d'imaginer ou de percevoir les choses, peut-être que toutes ces choses négatives peuvent même s'évacuer de toutes parts de mon corps, pas seulement de mes pieds. Peut-être que je peux voir cette fumée grisâtre ou cette eau couler de toutes les parties de mon corps. Peut-être que je peux voir, imaginer et sentir ma tête qui se nettoie, se purifie, se lave de toutes ces pensées qui me contraignent et m'éloignent de mon bien-être. Je prends ce temps pour moi. Je respire profondément. Et je change. Ce que je souhaite changer, même si peut-être aujourd'hui, cela peut me paraître un peu compliqué, je laisse faire, je me fais confiance. J'observe ma respiration, sa profondeur, son rythme, sa localisation aussi. Peut-être que je respire plus avec le ventre ou plus avec les poumons, peut-être avec mon dos. Je peux observer l'air qui entre et sort par mon nez ou ma bouche. J'observe. Je porte toute mon attention sur moi. Et rien d'autre que moi. J'observe également mon corps dans sa position, dans son relâchement, dans ses sensations, aussi bien en surface qu'à l'intérieur.
et j'observe mes pensées, mon mental, mon esprit. Comment cela se passe-t-il? Est-ce que je suis plus apaisée que tout à l'heure? Peut-être pas encore, peut-être que je devrais refaire encore cet exercice pour dévoiler vraiment mon potentiel extraordinaire de concentration. Pour libérer vraiment ce dont je n'ai plus besoin. Et bientôt, cet exercice deviendra automatique dès que quelque chose cherchera à me détourner de ce calme, de cette détente, de ce bien-être que je me souhaite, de cette joie intérieure. Je pourrais refaire cet exercice, fermer les yeux et imaginer l'évacuation, la libération de ce qui me dérange. Car rien n'est plus important pour moi d'être bien, pour de multiples raisons. Pour être apaisé tout simplement, mais également pour être mieux avec les autres, pour être mieux dans ma vie professionnelle, dans ma vie sociale, pour être plus en joie. Alors, sachant qu'il le sera nécessaire, bien entendu, de répéter, répéter encore cet exercice pour vraiment me l'approprier. Déjà, cette séance sera bénéfique. Des informations sont installées durablement. Ce que je ne souhaite plus commence déjà à s'en aller. Puis, quand je vais le décider, je pourrai accepter de terminer cette séance. Je me remercie pour ce temps que je me suis accordé. Cette douceur, cette attention que je me porte. Puis je vais augmenter l'amplitude de ma respiration tout en restant tout à fait attentionné à tout le positif apporté par cette séance. Après quelques respirations profondes, je pourrais m'étirer, bâiller, laisser la joie et l'énergie se diffuser dans chaque partie de mon corps et se lire sur mon visage. Je peux bâiller, me frictionner, doucement reprendre du tonus. Et quand je l'aurai choisi, je pourrai revenir ici et maintenant en décidant de garder en moi tout ce positif et rouvrir les yeux. Thank you.
Thank you.